Bonjour, je suis Marion Carrette, je suis la présidente d'Aniblat, marque de mailles fabriquée en France. Et aujourd'hui, dans le cadre de la consultation, nous allons aborder les questions autour de la production responsable et française. Un élément qui est très important pour moi, c'est quand je vais visiter un atelier de production, est-ce que les gens qui travaillent là-bas ont l'air heureux d'y travailler? Si jamais ils n'ont pas l'air heureux, je me pose deux, trois questions. S'ils sont heureux d'y travailler, je pense que c'est déjà bon signe. Et puis ensuite, il faut passer du temps dans les ateliers pour voir, pour comprendre les process, pour voir les gens qui y travaillent, parce qu'ils font des métiers incroyables qu'on montre assez rarement. Je pense qu'il ne faut pas essayer de rentabiliser cette mention-là. Il faut faire des produits suffisamment attractifs pour que les gens oublient cette mention-là, que ce soit juste une cerise sur le gâteau. Donc en fait, il faut travailler le style, il faut travailler les matières, etc., pour qu'on ait envie d'acheter le produit en dehors du fabriqué en France. Alors, on a fait le choix de la production à la demande. Ça, je pense que c'est parce que je n'avais jamais mis les pieds dans l'industrie de la mode que j'ai imaginé ce système-là, parce que c'est très compliqué. Et quand j'en parle à des gens qui travaillent dans la mode depuis longtemps, ils me regardent toujours avec des yeux quoi, mais t'as réussi? Bah oui, parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était impossible. Et alors, un des gros avantages de fabriquer à la demande, c'est que on fabrique au fur et à mesure, au fil de l'eau. Et donc, en termes de trésorerie, on fabrique le pull qu'une fois qu'il est commandé. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. On ne fait pas de stock, pas de gaspillage, pas de solde. L'inconvénient, c'est que c'est vraiment la planification et puis aussi la montée en puissance. Et c'est pour ça qu'on a lancé en complément de la production à demande, on a lancé des précommandes, où là, on va grouper les commandes pendant 3 à 4 semaines et on va lancer toute la production à la fin des 3 à 4 semaines. Donc là, le délai, c'est plutôt 1 à 2 mois de livraison, alors que quand on produit à la demande, c'est 15 jours. C'est un beau modèle. Il faut que les clients soient aussi prêts à attendre un peu plus longtemps que la moyenne. Mais ça, ils sont assez patients finalement pour avoir un beau pull. Ils attendent.